Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de passer des manches en illimité sur Call of Duty Cold War Zombie et par la même occasion, gagner des XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors très important, si vous voulez en savoir plus sur le glitch, il y aura une vidéo en description et en commentaire épinglé où justement j'ai expliqué le glitch il y a plusieurs temps. Donc le glitch fonctionne toujours, c'est pour ça que je ne vais pas tout me répéter dans cette vidéo, mais c'est juste pour vous indiquer que ce glitch fonctionne toujours. Après le glitch est très très simple, il suffit juste d'aller sur 10 machines, aller dans la station médicale et puis se placer au même endroit que moi sur le gameplay. Bien entendu, il ne faut pas ouvrir la porte derrière qui amène à la station médicale pour que les spawns de zombies soient moins rapides et viennent tous d'en face de vous. Donc quand vous êtes sur cette citerne, vous utilisez l'arme spéciale DCD Nova 5 et là ce que vous faites c'est que vous allez gérer vos munitions pour gérer les zombies. Donc avec votre arme, quand il y a des zombies qui arrivent, ben, vous les avalez pour récupérer des munitions. Si vous voyez que vous êtes surmené, ben, vous tirez une balle pour tuer les zombies avec le gaz toxique. En même temps, vous aspirez les zombies pour récupérer des munitions en illimité. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de bouger du glitch, vous aurez toujours des munitions en illimité. Vous gardez votre spécialiste aura de feu au cas où vous êtes submergé de zombies. Ensuite, si vous êtes submergé de zombies, ben, vous activez votre spécialiste de feu, vous tirez dans la citerne et vous aspirez les zombies en même temps. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer un maximum de munitions parce que vous allez one-shot les zombies. Alors les mégatons ne viendront pas jusqu'à vous tant que vous restez sur la citerne parce qu'ils vont être bloqués derrière une barricade. Donc de ce fait là, vous n'aurez que des zombies et des chiens. Donc ça va être très facile pour monter dans les manches et gagner des XP en illimité. Vous êtes quasi invincible. Il suffit juste de gérer vos munitions par rapport aux zombies et ensuite vous êtes invincible. C'est à vous de gérer. Le seul problème de ce glitch, c'est que c'est manuel. Alors bien entendu, comme j'ai un Cronus Max Pro, ce que j'ai essayé de faire, c'est de le faire en automatique, sans que je sois devant l'écran pour jouer. Le seul problème, c'est que quand j'active le script, eh ben en fait, ça ne gère pas les munitions. Ça tire n'importe quand, n'importe comment, ça ne s'adapte pas aux zombies. Donc forcément, je me dis que je vais mourir à un moment ou à un autre. Alors là, j'ai pas eu de chance parce que j'ai pas pu voir si vraiment j'allais mourir avec le script que j'ai créé parce que tout simplement, je me suis fait déconnecter d'internet. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais bon, bref, mon câble s'est débranché. Donc voilà, j'ai pas réessayé, mais si jamais vous voulez essayer par vous-même avec le script, je vous mettrai le script en description. Comme ça, vous allez pouvoir le télécharger, l'installer sur votre clé USB, ensuite aller dans le glitch, appuyer sur flèche de gauche et voir si vous arrivez à survivre avec le script, genre pour faire des manches en illimité sans rien faire. Donc voilà, je tiens encore à préciser qu'en description et en commentaire épinglé, il y aura une vidéo qui explique un peu plus le glitch plus en détail. Là, c'était vraiment pour vous dire que le glitch fonctionne toujours et comme ça, j'ai pas besoin de me répéter. Vous allez voir dans la vidéo qui sera en description et en commentaire épinglé et comme ça, vous aurez un peu plus d'informations. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mec et ciao. Peace.